Et bonsoir tout le monde, bonsoir n'importe quoi et coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va bien, je suis très très chaud. Je suis en train de crever de chaud. J'espère que ça va vous. On va continuer à nos codes comme prévu, voilà, dans ce live. J'espère que voilà, vous êtes prêts et donc on va lancer le jeu tout de suite. Un peu fatigué de mon côté quand même, malgré que j'allais bien, je suis un peu fatigué, ouais. Je vais couper la musique et on est parti pour que je lance Another Code. J'espère que tout fonctionne. J'espère que ouais, tout va fonctionner. J'entends la musique du jeu. C'est cool. Mais le son du jeu n'a pas l'air d'être là sur. Hop. Voilà. Tac. Ok. Donc tout est bon, je pense. Attention. Oula, pourquoi c'est en carré comme ça? What the fuck? Pourquoi? Oh. Mais pourquoi c'est... Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Mais pourquoi le jeu ici a fait n'importe quoi? Attendez, je vais régler le problème. Mais pourquoi? Ah, mais je sais pourquoi. Ça devrait être mieux là, non? Là, j'ai tout agrandi comme il fallait pas, tac. Et là, ça devrait être bon. Attends, je veux un truc pour voir. Le problème, c'est que j'ai des barres noires. Et je sais pas d'où viennent ces barres noires, mais là, ça a l'air d'être bon. Enfin, quand même, la barre noire là à gauche. Hop! On est. Ça a l'air d'être bon. Voilà. Je sais pas pourquoi tous mes réglages que j'avais fait hier, bah c'est parti. Voilà, c'est bon, le jeu est bien là. Je vous mets la musique. Hop, et on peut partir. Après ces petits réglages. On peut partir, let's go. Je suis en même temps en train de regarder le water polo des JO. Voilà. Donc on va continuer. On était arrêté dans la salle de peinture, dans l'atelier de peinture. Voilà. Donc voyons voir ce que ça donne. Donc vous voyez, il y avait notre ami D. Voilà, on se rappelle, on va dans ce manoir parce que notre père nous avait envoyé un message alors qu'il était mort. Notre personnage a 14 ou 16 ans, je sais plus. Et à nos 3 ans, notre père a été soi-disant mort. Ouais, il y a 14 ans, parce que c'était 11 ans plus tard, c'était 11 ans. Donc à 14 ans, Ashley a 14 ans. Et ils nous ont dit, ouais, on a reçu une lettre de ton père, alors qu'elle croyait que son père était mort. Donc elle se dit, peut-être ma mère est vivante. Voilà, et en allant dans le manoir, comme c'était écrit dans la lettre, et bah on arrive dans un manoir un peu abandonné et on a rencontré un certain D qui a totalement perdu la mémoire et qui veut savoir ce qu'il fout ici. Voilà, et donc on a un petit truc qui nous aide. On a reçu aussi un DAS qui permet de prendre des photos, d'avoir des petites indications sur les différents personnages, voilà, qu'on rencontre au fur et à mesure du jeu, que ce soit dans les notes ou en réel. Donc l'appareil photo et on a des messages qu'il faut trouver à peu près partout. Voilà. Donc voilà, on s'était arrêté ici, et donc bon, on va continuer d'explorer un peu. Des chiffons et du papier sont stockés là-dedans, sûrement du matériel d'artiste. Ah, peut-être, ouais. Ok, là j'ai vu qu'on pouvait récupérer, tu peux voir, des trucs ici. Étagère à toiles, il y a des tas de toiles ici, et on voit qu'elles sont vieilles. Ah, après si elles sont vieilles, c'est la vie. À un moment, voilà, quoi. Alors, on peut courir, c'est vrai. Étagère à toiles, il dit la même chose. Les toiles sont couvertes de poussière. Ok. Qu'on peut voir dehors. On peut pas voir dehors, il y a un porte-manteau. Haut de la commode. Hey. D, qu'est-ce que. Hein? Qu'est-ce qu'il fabrique? Il a l'air hypnotisé par ce portrait. Ah, mais attends, je vais pas voir ce portrait tout de suite. Je veux continuer d'explorer. Ah, regardez, il y a des tableaux. Cette œuvre est tellement belle, dommage qu'elle soit pleine de toiles d'araignées. Ah, bah. C'est quand ça. Ça vieillit quoi, ça reste dans un endroit, ça prend la poussière. Tableau, le tableau sur ce chemin est extrêmement complexe.
Oh, c'est la Vénus de Milo, sans tête. Il y a même des statues en plâtre. Je crois que j'ai déjà vu ça à la télé, mais celle-ci est plus petite. Ah, regardez la Vénus de Milo. Ici, là. La lumière qui filtre à travers la fenêtre vient caresser subtilement la statue de la déesse. Ok. Sceaux rouillés. C'est sûrement des lustres qu'ils sont là à rouiller. Ça fait sûrement des lustres qu'ils sont là à rouiller. Ah, mon oncle a crié quelque chose, j'en ai des frissons. Ah oui, l'oncle a fait... Ouais, le bruit que personne n'aime. Et que moi, je m'en fous. Chevalier. Encore un chevalier, il y a encore plus de toiles d'araignée dessus que sur les autres. Bah après, c'est un atelier de peinture, c'est normal qu'il fait chevalier. Tu vois, dans un atelier de peinture, mais il n'y a pas de chevalier, c'est un peu bizarre. Oh, regardez ce qu'on a trouvé. L'appareil photo pour scanner ça, le QR code. Tac. Et ouais, parce qu'on trouve des origami QR code qui nous donnent des petites notes. Et donc là, on a une nouvelle note. Hop, qu'on peut lire. Mais le problème, c'est que c'est la troisième et que j'en ai qu'il y a un autre avant. Ouais, il m'en manque un. Donc on lira Pensée vagabonde. On aura trouvé le deuxième. On va lire dans l'ordre quand même. Je pense qu'on a vraiment tout. Table ronde. Hey. Dis, qu'est-ce que un? Elle dit la même chose. Si Fabrique, il est hypnotisé par ce portrait. Oui, oui, on sait. Il faut que j'aille voir le portrait. On a compris. À un moment ou un autre, on a compris qu'il faut que j'aille voir D. Esquisse. Une esquisse ancienne d'une jeune fille est posée sur le chevalet. Qui est cette jeune fille? Oh. Wanna see a picture that Papa drew? I'll show you, but it'll be our secret, okay, Dee? It's Franny. Huh? Ashley, it's Franny. Uncle Henry drew this. Uncle Henry? Yeah. Franny's papa. So Franny's dad is Henry, and the kid in this picture is Franny. But it's a little rough, so it's hard to be sure. Franny grabbed my hand and pulled me into this room. She showed this to me and said that her dad was a great artist. She said she asked him to draw a picture of me, too. After that, we went into the yard. There was a puppy. Huh. Seeing Dee so happy, talking about his memories with Franny, it's a little, well, weird. Dee was with Franny, the girl in this old drawing. And that same boy is here with me, right now. Ok, donc cette esquisse, c'est Franny, et donc je pense qu'on a trouvé, qu'on a eu des nouvelles infos. Ouais, on a update de Franny. Tac, et l'update, je pense que c'est sa photo. Franny, elle était l'amie de D, elle vivait dans ce manoir et jouait très bien du piano. C'est aussi elle qui a surnommé D, ouais. Voilà, c'est parce qu'ils nous ont mis un nouveau dessin. Voilà, on a l'esquisse. Voilà, voilà, pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Donc c'est quoi, je vais virer ce truc rouge qui m'énerve. En prenant la note, mais en les lisant pas. Parce que le but, c'est de lire les notes dans l'ordre, quoi. Ok, est-ce que maintenant, on peut parler de ça? Oh, maintenant, on peut voir ce qu'il y a dessus, ok. Assiette et chocolat. Du chocolat dans une assiette en argent. Quelqu'un a commencé à manger, mais qui? Ah. J'ai déjà vu ça avant. Ce chocolat est aussi vieux que ça? Non, l'assiette en argent. Quelqu'un y tenait beaucoup. Ah. Ah, rien à faire, je m'en rappelle pas. Ok, il y a des griffonnages. Un dessin est posé sur la table. This paper looks new. I wonder who the girl is. Maybe it's Franny? No. I don't think so. This girl? She looks a little like you. Huh? Wait.
couldn't be. Did my dad draw this picture of me? What's wrong? Aren't you happy? Does he think I look like this? It's not very accurate. Oh no. What is it? What if Dad doesn't even recognize me? Mais si, il te reconnaîtra, t'inquiète pas. Oh. Un père reconnaît toujours ses enfants, non? Oh, rien, est-ce qu'il y a des trucs en bas? Ah, vieux sac. Oh! Il y a un document dans le sac. What's this? C'est quoi ce papier? Test de recherche sur l'Another. Oh! What? Par Richard Robbins et Sayoko Robbins. C'est mes parents? C'est la thèse de mes parents. Enfin, la couverture du moins. Ah merde, c'est que la couverture. Quelqu'un a embarqué le contenu. Mais pourquoi? Ok, couverture de thèse. Super. Un truc avec ce tabouret, non? Il n'y a plus rien. Ok, on peut partir d'ici, il n'y a plus rien. Donc on a reçu une couverture d'une thèse. La page de couverture d'une thèse rédigée par maman et papa est intitulée Thèse sur Another. Par contre, on dirait que quelqu'un a retiré le reste du dossier. Aïe, aïe. J'ai vu qu'on pouvait aussi vérifier là. Donc on va vérifier maintenant que il est avec nous, notre ami D. Ok, je peux rien voir d'autre à part le carnet, c'est ça, ouais. Bloc-notes. Il y a un bloc-notes sur la commode. Ce bloc-notes a l'air neuf. Je me demande s'il appartient à papa. Hey. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Qu'y a-t-il écrit dessus? 15-08, jour d'arrivée de Bill. Who? C'est qui Bill? Hmm. Aucune idée. Peut-être un ami de papa? Quelque chose d'autre est aussi écrit ici. On dirait que les notes ont été écrites dessus. Liste de courses pour Bill. Chocolat, chips. Super. Café Mad Helling pour café au lait et limonade à la pomme. Dad. Papa aime aussi bien le chocolat. Ah, c'est tout? Ok. Ah, c'est une liste de courses, quoi, ok. Ah, palette. This is... C'est de la peinture à huile? Elle est complètement sèche. Bah, à un moment, l'huile, la peinture, tu sais, ça sèche. Bon, bah, on peut quitter ici. Je pense qu'on a tout vu. On a récupéré le QR code. Donc, on peut partir d'ici. On a toujours pas de... Oh là là, cette musique. Ouais, la musique est très cool, Coucou Pika. Comment vas-tu? La musique est très, très cool. Le problème, c'est que j'ai toujours pas la carte. Là, c'est l'atelier d'art. Là, c'est un truc qu'on connaît pas. Et moi, je viens de là-bas, si je me rappelle bien, depuis hier. Donc, ici, ça adore, ça mène. Pas moyen, c'est verrouillé. Ah. Je vais bien, et toi? Moi, j'ai super chaud. Je suis en train de crever de chaud. Ici, il y a une autre pièce. Est-ce qu'on peut rentrer dedans? Oui, on peut rentrer dans cette nouvelle pièce. Ok. Oh! What do you think this room was for? Ah bah super, D, il est parti. On saura pas à quoi sert cette room. Enfin cette pièce. Vaisselier. Yeah. Des assiettes, verre à vin et tasse à thé. Tout est tellement joli. Ah, il y a le QR code. Allez, récupérons-le. Je les prendrai que si je les trouve. Si j'en trouve pas, tant pis. Ah, c'est le partie 2, yes. On va pouvoir lire la partie 2 et la partie 3 en même temps. Ça, c'est cool. Alors, voyons voir. Lawrence Edward, le patriarche. Il semblerait que feu Lawrence Edward, le patriarche de ce manoir, ait été un homme extrêmement méfiant. Au cours de son existence, il trouva non seulement de l'or sur cette île désolée, mais établit et développa aussi une entreprise florissante en l'espace d'une seule génération. Il semblait penser que quiconque l'approchait souhaitait soit le voler, soit l'escroquer. Tant et si bien qu'aucun étranger à la famille n'était le bienvenu dans son manoir. Il fit également installer des mécanismes tout autour de sa propriété pour la protéger des intrus.
Je pense que sa méfiance maladive a également eu des conséquences néfastes sur sa famille. J'ignore pourquoi, mais il n'y a pas moyen, il n'y a pas la moindre mention de sa femme ou quoi que ce soit dans le manoir. Elle n'a même pas de pierre tombale dans le cimetière. Je n'en ai pas la preuve, mais je soupçonne qu'elle a fini par ne plus aimer son mari, cet homme qui n'avait confiance en personne, et a quitté l'île à jamais après avoir donné naissance à son enfant. L'immense fortune de Lawrence ne lui a valu que d'être torturé par l'hospitalité de tous, faisant de lui un homme seul sans l'amour de sa famille. Il semble cependant qu'il ait réussi à conserver de l'affection envers une personne, le majordome qui servait sa famille. Et si j'en crois le journal dans la chambre de ce dernier, il y avait entre eux une loyauté mutuelle indéfectible. Ok, pensée vagabonde. Alors que je profitais de la brise marine, le regard perdu à l'horizon, je me suis soudain rappelé des magnifiques paysages printaniers de la ville natale de Sayoko au Japon. Je ne suis pas retourné au Japon depuis plus de 10 ans. La dernière fois que j'y suis allé, c'était avec Sayoko pour annoncer notre mariage à ses parents. Lors de notre vol vers l'aéroport d'Haneda, j'ai remarqué un fait rare. Sayoko semblait nerveuse. De toute évidence, elle était préoccupée par ce qu'elle dirait à ses parents. Après tout, elle n'était pas retournée chez elle depuis un certain temps et elle arrivait avec de grandes nouvelles. Pour essayer de calmer ses nerfs, je lui ai pris la main et je lui ai demandé de me parler de sa ville natale. Elle m'a parlé d'une rivière près de la maison de ses parents. Au printemps, les cerisiers fleurissent le long des berges, dans une explosion de couleurs spectaculaires. Maintenant encore, après toutes ces années, je peux voir son sourire alors qu'elle me parlait de ses arbres. Le lendemain, je marchais avec elle sous ses cerisiers, alors que nous nous rendions ensemble chez ses parents pour la première fois. J'ai toujours voulu retourner au Japon, mais j'en ai pas eu l'occasion. Un jour, c'est sûr, j'irai à nouveau me promener sous les cerisiers en fleurs que Sayoko aimait tant. Ok, c'est cool parce que ça permet d'avoir un peu de lore. Voilà. Ah, il y a un coffre fort ici. Un coffre robuste. Hey. Un coffre si robuste doit contenir quelque chose d'important. Je pense, ouais. Tu crois que... Ah, j'ai pas eu le temps de lire. Attendez. Tu crois que tu peux l'ouvrir parce que je suis en train de regarder... Je peux essayer. Non. C'est solidement verrouillé. Bon, il n'y a plus qu'à espérer qu'on trouve un indice dans le coin. Ah bah ouais. Présentoir à assiette. Je crois que je suis sur le point de me souvenir de quelque chose. Ah, vas-y, dis-nous tout. Bah, alors. De la vaisselle à argent est un argent est disponible sur des étagères murales. Ah bah, l'ordée. Il dit des trucs, mais photos sur la cheminée. Un portrait est accroché au mur. Bien vu. Who's this? Qui c'est? Ah! You mustn't enter my quarters at your whim. Something the matter? I just remembered something. This was Wells's room. Wells? He was the butler of this mansion. He found me in here once and said to me, "Butlers safeguard all manner of important items for the people of their houses. So you mustn't enter my quarters at your whim." I wonder what sort of important items he was looking after. Oh, it was keys. Wells held every key for the mansion. They might be helpful for finding Jessica. Let's look around for them. Oh, on va avoir toutes les clés, peut-être un passe-partout. Il y en a un nouveau personnage dans notre DAS. On a Wells. Wells qui se trouve là, travaille. Voilà, il est en travail avec Lawrence. Je suis sûr que Wells, avec son organisation et sa propreté naturelle, était un majordome exceptionnel. Il semble aussi que c'était quelqu'un de gentil, qui traitait des aussi bien que les adultes. Tout de même, ça devait demander beaucoup de travail d'entretenir une maison aussi énorme que celle-ci. Wells était apparemment très prudent et ne laissait pas n'importe qui entrer dans sa chambre. Peut-être parce qu'il y conservait des clés et autres pièces. Des autres pièces. C'était un homme dévoué. Il faut toujours avoir un homme dévoué avec soi. Toujours. Il y a une penderie. Oh, l'armoire est complètement vide. Bah si, c'est normal, ça se trouve, il avait ses affaires et comme il est parti, bah, plus d'affaires. Ce livre devait être sa lecture du soir. Pas étonnant que le lit du majordome soit fait à la perfection. Pas un seul pli. Normal, ouais. Oui, mal. Il doit bien y avoir quelque chose là-dedans. Oh, apparemment non. Bon bah, y a rien dans cette malle, super.
bureau. Ouvrons ce tiroir. Y a rien. Le tiroir est vide. Tiroir. Oh, un vieil album. Un vieil album rempli de photos. Juillet 1924, les garçons jouent dans la cour. Monsieur Henri et Monsieur Thomas respirent la santé et grandissent à vue d'œil. Ils forment un duo inséparable. Monsieur Henri est un grand frère au cœur d'or, vaillant affectueusement sur son cadet, Monsieur Thomas. Ok, Henri et Thomas sont frères. Août 1932, les garçons participent à un tournoi de sport. Monsieur Henri, plein de force et de sagesse, Monsieur Thomas, la douceur et la sincérité personnifiées. Les rires ne cessent jamais de retentir entre ces deux garçons brillants et pleins de vie. Il ne faisait aucun doute qu'ils remplissent Monsieur Edouard de fierté. Septembre 1934, portrait des garçons. Tandis que Monsieur Henri était Tandis que Monsieur Henri étudie l'art, Monsieur Thomas se destine aux lettres. Le duo d'enfants a laissé la place à deux jeunes hommes élégants et Monsieur Edouard espère au plus profond de son cœur que la vie lui offrira tout ce à quoi ils aspirent. Ok, on a appris quelques petits trucs. Assiette en argent. De la vaisselle en argent est rangée dans le tiroir. Oh, c'est vraiment en argent. Ça doit être des trésors de famille ou un truc du genre. Oh. Cette assiette. Dee? Qu'est-ce qu'il y a, Dee? J'en suis pas absolument sûr, mais... J'ai l'impression que cette assiette est précieuse. Précieuse? Oui. Livre. Plusieurs livres sont disposés sur le bureau. D'accord, plusieurs livres sont disposés sur le bureau. Demi-finale de l'escrime par équipe féminin. Entre la France et la Pologne. Voilà, petite info. Ah, il y a plein de livres là. Bibliothèque. Wells devait beaucoup aimer les livres. Il y en a plein ici et sur son bureau. Après, quand t'aimes les livres, c'est sûr que t'en as beaucoup. Sceau. Ça fait longtemps que ce sceau n'a pas servi. Il est tout rouillé. Tu vas encore faire un bruit de crissement avec tes ongles? Service à thé. Un service à thé est posé sur la table. Waouh, c'est magnifique, sûrement des antiquités. J'ai toujours rêvé de prendre le thé dans un service de ce genre. Avec des mini-tasses, des mini-pâtisseries, la totale quoi. Oh, je viens de me rappeler avoir bu du thé dans cette tasse. Lors de ma première visite au manoir, Wells avait préparé du thé au lait. Ah, du thé au lait. Et oh, il y avait servi avec du gâteau et au chocolat. Du bon gâteau au chocolat. Du gâteau au chocolat, je commence à être jalouse et à avoir faim. Haha, c'est vrai. Ok. On va partir d'ici. On a terminé de voir la maison du majordome. Ah, je vais galérer, je suis tellement éclaté. Il y a une salle ici, est-ce qu'on peut rentrer dedans? Il y a un verrou sur la porte. Ah. Est-ce que ça mène à la pièce du piano? Oh, je peux le déverrouiller. Oh là là, la porte est déverrouillée. Bon, vous savez ce qu'il faut faire, c'est bon, je sais ce qu'il faut faire. Il parlait de trucs en argent, la tassette en argent. Putain, j'ai chaud. En plus, la chaleur est en train de m'endormir. Parce qu'en vrai, si je retape dessus, si je revois ça. Présentoir à assiette. De la vaisselle en argent est disponible sur ces étagères murales. C'est tout. Ces assiettes en argent datent pas d'hier, mais elles sont jolies. Oh, ouais, c'est les adorait. Il les polissait tellement qu'on se voyait dedans. Mais entre temps, elles sont drôlement ternies. Ça fait mal au cœur. Faites du merchandising de ces assiettes SVP. Toi, tu veux des merchandising de tous les jeux. Étrange. Quoi? Il y avait 4 assiettes la dernière fois. On se demande où sont les 3 autres. Les assiettes doivent toujours rester ensemble. C'est important.
Non, juste celui-là. Wex disait souvent ça, je m'en souviens. Ah, et 4 assiettes importantes. Là, tu veux qu'il fasse les assiettes? Hier, tu voulais le t-shirt, enfin le pull de Ashley. Et on revoit le bureau, il y a une assiette qui est là. Coucou l'assiette, hop. D. Regarde cette assiette, D. Yeah. Excellent, c'est une des assiettes en argent de Wales. Il y a un collier à un moment dans le jeu, je tue. Assiette à l'oiseau chantant. Right. Okay. Je devrais aller la poser sur le présentoir. Non, pas tout de suite. On va récupérer les autres assiettes. Allez, B, hop. Je sais, il y en a une dans l'atelier de peinture qu'on a vu tout à l'heure. C'est super chaud, putain. Une petite assiette en argent ornée d'un bébé d'oiseau. Elle a été conservée à l'abri dans le tiroir du bureau de Wales. Il y en a une qui est utilisée pour sur cette table où il y a le chocolat dessus. Et la troisième, je sais pas où elle est. Putain, tu m'as fait peur. En vrai, ça sert un peu à rien de faire les trucs parce que ça arrive pas direct dans mon casque. Ça sert à rien de faire le boom. Du chocolat dans une assiette en argent. D. Hey D, t'as vu cette assiette? Yeah. Ah, c'est une pièce du service auquel Wes tenait tant. Ah oui, c'est vrai, je dois attendre que tu joues sur PC. Eh ouais. Reçu assiette à l'oiseau picorant. All right. Je ferais mieux de remettre ça à sa place. Oh, une photo. Il y a quelque chose. Something. Une photo sous l'assiette en argent. This is... That's... She's... Hurry, Ashley. Hide. Right. I remember who said that. It was Mom. The woman in the photo is your mother? That must mean the baby is... Yeah. It's me. This must be Dad's photo. Reçu photo de maman. Let's go. C'est pour ça que je mets pas cette soundboard sur ma chaîne Twitch vu que je joue toujours sans casque. Ouais, moi j'ai toujours un casque. Là, tu vois, actuellement, je suis quand même avec un casque. Malgré que, bah... Y'a pas de musique. Donc on a un nouveau truc par rapport à Sayoko. Maman est morte quand j'avais 3 ans, je sais ce qu'a été scientifique comme papa, mais qui était-elle vraiment? Jessica a dit que ses yeux, que... Ça, on l'avait déjà lu. C'est la photo qui a été mise à jour. Bon bah on a récupéré 2 assiettes sur 3. Une petite assiette en argent en main d'un bébé oiseau, je l'ai trouvée sur le bureau dans l'atelier d'art. Une table de chocolat entamée était posée dessus. Une photo de maman qui me tient dans ses bras. Quand j'étais encore un bébé. Elle était tellement jolie, elle a cette expression de douceur que je vois dans mes rêves. Jamais je n'oublierai son visage. En vrai, le seul moment où je n'aurai pas le casque, c'est quand je... Enfin, j'ai quand même un casque, mais je n'ai pas le son dans le casque. Ce serait quand je jouerai à la Switch. Je pense qu'elle n'est pas dans le salon, la dernière assiette. Je sais plus où elle est. C'est pareil, ça... Ah si, elle servait de cendrier. Ah, oh, ce rappel. Une odeur de cigarette flotte autour de la table. Un cendrier plein de mégots. Ashley. Il est bizarre ce cendrier. Comment ça? Hey. Vide-le pour voir. Elle met pas les cigarettes par terre. Ouais, d'accord. Une fois retirés les mégots et les cendres, laissant place à un magnifique oiseau en relief. Waouh, c'est quoi? Je m'en doutais. Le cendrier vient de la chambre du majordome. Reçu assiette à l'oiseau en vol. Ok. Une grande assiette en argent décorée d'un oiseau aux ailes déployées. Elle est très belle, mais tachée par la cendre des cigarettes. Aïe, 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 aïe. C'est vrai que le majordome, il serait pas content s'il voit ça. Allez, hop. On va ici.
qu'on retourne dans la chambre de Wells, de majordome. Hop. Et on va se poser les assiettes. Hop. Il faut 4 assiettes. Si c'est tellement important de les réunir, il nous faut les trouver et les remettre à leur place. C'est bon, je les ai, t'inquiète. Je suis sûr que Wells apprécierait. Après, il est mort. Je suppose. Donc, allez. X. Non, comment on fait pour l'inventaire? C'est Y. Ah non, je voulais pas la mettre là. Tac. Bon, en vrai c'est un... j'ai un peu fait de la merde. Si c'est là que j'en vais... Ashley. Merde, je me suis trompé de bouton. Oh, j'en ai marre que le A soit à droite et pas en bas comme sur toutes les manettes là. All right. Oui, je sais. Vas-y, on récupère celle-là. De la vaisselle en argent est disposée sur l'étagère. L'étagère avec les assiettes est la seule à être plus basse. Ouais, c'est que l'assiette est au bon endroit. Donc là, on va mettre la dernière assiette. Qui est celle-là? Non? Putain, mais je me suis encore trompé de bouton. J'ai appuyé sur B au lieu de A. Oh, j'en ai marre. J'en ai déjà marre de jouer à la Switch. Ou alors, celle-là, c'est au milieu. Ça va faire enfant. Non. Ce mais là, ça veut dire. Wow. Le socle est abaissé, il doit y avoir un mécanisme. Ensuite, nous avons... Nous allons avoir celui-là, parce qu'il est du même côté que l'oiseau de gauche. Et là, nous avons l'autre, parce qu'il est du côté de l'oiseau de droite. Oh là là, je suis trop fort. Hop. Et voilà. Énigme réussie. Oh. Après, il y a quand même une petite... un petit jingle, j'aime bien. Puzzle all along? Look, there's something in there. Bon bah, prenons ce qu'il y a à l'intérieur. Coffre-fort. Je demande ce qu'il y a à l'intérieur. Apprends et tu verras. Document roulé. C'est quoi? What? Oh, let's go, j'ai le plan du manoir. Lorsque tu regardes le plan avec elle, lorsque tu sais pas où aller, tu trouveras peut-être un indice. Ouverture de la carte. Je devrais noter tout ce qui me semble intéressant. Ok, donc on a des trucs. Où est Jessica? On a l'entrée. Ici c'est fermé, là c'est ouvert, tac tac tac. Studio art c'est ouvert. Le père de Franny a dessiné ça. Atelier d'art, chambre du majordome. Ok. Premier étage, y'a quoi? Le sous-sol, y'a rien. Premier étage. Foyer. Chambre de Franny dans laquelle on peut pas aller, ok, on peut pas faire grand chose et c'est tout. Alors on peut voir ici, nous avons un petit truc, je vais zoomer, comme ça vous verrez. Il y a écrit R11, L2, R7, L25. R11, c'est 11 vers la droite, 2 vers la gauche, 7 vers la droite, 25 vers la gauche. Right pour, R pour right, qui veut dire droite et left, enfin L pour left, qui veut dire gauche. Donc 11, 2, 7, 25. Et c'est pour le coffre-fort, je suppose. Un coffre robuste. Hey.
Je me demande ce qu'il y a dedans. Non, c'est bien verrouillé. Est-ce qu'on peut... Tu connaîtras pas la combinaison par hasard? Non. Absolument pas. J'ai mis 28 ans à faire celle-là. Ah ouais? Tu crois que Wes l'a noté quelque part? Ouais, elle l'a noté sur le plan. T'inquiète. On peut avoir accès au truc parce que je me rappelle déjà plus. Ah, j'aurais dû prendre en photo. Attendez, on va revoir le truc. Moi, j'ai tout de suite compris quand j'ai fait la première fois le jeu. Quand j'ai fait la première fois le jeu, j'ai tout de suite compris que ce que ça voulait dire. Surtout qu'il y a le petit point qui pointe sur le coffre. 11, 2, 7, 25. Ashley. Je suis en train de faire. 11. Donc 11 vers la droite, on a dit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, il faut faire 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Let's go. C'est fait, c'est réussi. Ça n'a pas réussi. Ah, mais aussi j'avais compris ça, mais j'arrivais pas, je faisais tourner et ça marchait pas. Ah bah c'est facile. Mais comment ça, attendez. Je me suis trompé sur un numéro. Pas moyen de l'ouvrir, ça doit pas être la bonne combinaison. Si, c'était la bonne, c'est juste moi qui suis con. How about... Il doit bien avoir un indice quelque part. Mais oui, je sais, ils vont me dire, hey, regarde sur le plan, c'est ça. Putain, je me trompe toujours de bouton. Je vais pas prendre en photo. Je peux pas prendre en photo avec le DAS, je peux juste prendre en photo comme ça là. Enfin, en faisant. Merde. Pas comme ça. Je suis vraiment obligé d'y aller comme ça là, en prenant une capture d'écran comme ça. Ou alors, vous savez quoi, je vais le noter. Je dois avoir un stylo, j'ai même pas de stylo. Bah super, je veux noter, j'ai pas de stylo. Bah bravo Link. Bon bah, je le noterai pas. Je me prends un bloc-notes. Je le note sur le téléphone. Allez, on va se le noter sur le téléphone. Tant pis pour l'escrime, où la Française et les Français étaient en train de gagner. Demi-finale. R11, L2. Ah, bah merci beaucoup. Merci. Merci, Pika. Ashley. Alors, let's go. Alors. Right, c'est droite. Left, c'est gauche. On se rappelle. Qu'est-ce que tu ferais sans moi? Je suis même pas payé. Rien du tout. Alors gauche, vers la droite, attends. C'est ça, right, c'est droite. Donc vers la droite, c'est 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ensuite, c'est 2. 1, 2, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plus, et puis 25. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ah non! Mais je me rappelle. Mais non, c'est pas ça. Je pense que j'ai compris. C'est pas 7 vers la gauche, 7 vers la machin. Je suis vraiment con. Vous allez voir. How about... Oui, il a noté le code quelque part. C'est juste moi qui me prend trop. Ashley. Mais non, c'est pas le contraire, tu vas voir. Il faut aller là, je pense que vers la droite, il faut aller sur le 11. Donc, tac. On va sur le 11 qui est là. Hop. Ensuite, on va sur le 2 en allant à gauche. Hop, 2. Ensuite, 25. J'ai plus le truc. Ensuite, 7 en allant sur la droite. Donc le 7, il est tout à l'autre bout là. 5, 6, 7. Et ensuite, le 25. Et là, ça devrait être bon. Je pense que c'est ça.
Voilà! Tu vois, c'était pas le contraire, c'est juste moi qui cherchais trop compliqué. On se souvient, il a dit, moi je le fais du premier coup. Well done, oh, c'était du premier coup. Bien joué, Ashley! Ok, let's see what we have here. This is... Yes, a key! Two keys, as a matter of fact. Now we can get into those locked rooms. Reçu clé de la fleur. Ok. Reçu clé du trèfle à trois feuilles. Ok. What's this notebook? Wells must have written it. 13 à 12 pour les Français, let's go. 1916. Nous avons enfin retrouvé Monsieur Léonard, mais il était trop tard. L'épidémie l'avait emporté. Il a été décidé que Monsieur Edouard s'occuperait des deux enfants qu'il laisse orphelins. Monsieur Edouard a fait préparer deux chambres pour ses petits, qu'il a baptisé la chambre de l'oiseau d'or et la chambre de l'oiseau d'argent. Ah, il y a un mec qui est mort, ok. 1930. Voilà belle lurette maintenant que les garçons sont plus grands que moi. Et voilà devenus de jeunes hommes, robustes. Monsieur Thomas et Monsieur Henri ont intégré la même université. Monsieur Henri, plein de force et de sagesse. Monsieur Thomas, la douceur et la sincérité personnifiées. Elle ne fait aucun doute qu'il remplisse Monsieur Edouard de fierté. Il n'a plus à se soucier de la succession désormais. 1936. Monsieur Henri et Monsieur Thomas se marient tous les deux. Cool. Décembre 1943. L'horreur a frappé la famille. Monsieur Henri et Monsieur Thomas sont tous les deux partis pour le front. La guerre s'intensifie et les deux jeunes hommes ont été appelés en première ligne. Les mots me manquent pour exprimer la détresse qui doit être celle de Monsieur Edouard. Je ne peux que prier pour qu'il revienne sain et sauf. Septembre 1945, le jour tant attendu a fini par arriver. Les deux garçons sont revenus. C'est un bonheur incomparable que de les revoir en vie. Ils souffrent toutefois de graves blessures qui meurtrissent à la fois leur corps et leur âme. Monsieur Henri se cloître dans l'atelier d'art, contemplant inlassablement l'étoile peinte autrefois. La moindre activité du quotidien est devenue une épreuve, même le simple fait de déjeuner. Monsieur Edouard a compris qu'il y avait besoin d'aide. C'est pourquoi il a organisé le séjour de Monsieur Henri sur l'île auprès de sa famille. Après être resté avec nous plusieurs jours, Monsieur Thomas est rentré chez lui sur le continent. Il affiche toujours une bonne humeur coutumière, mais on sent que de lourds nuages assombrissent son esprit. Il m'est impossible de comprendre ce qu'il ressente, mais je prie pour qu'il puisse bientôt retrouver quelques sérénités. Ah, c'est sûr que les horreurs, je pense que ça doit être les horreurs de la guerre qui a fait que... Monsieur Edouard a rédigé son testament en 1946. 1948, Monsieur Edouard est tombé malade. Qu'ai-je fait? Pourquoi ai-je écrit cette lettre? Pourquoi ai-je fait venir sur l'île? Mais de mon repentir est futile, car rien ne changera au cours du temps. Tout est ma faute, je suis l'unique responsable. Un jour, peut-être qu'un descendant d'Edouard reviendra. Je laisse à son intention des plans dans mon tiroir. J'espère qu'il les trouvera et qu'ils lui seront utiles. Je prie pour que les âmes de Monsieur Edouard et les autres reposent en paix pour l'éternité. Oula! This Mr. Edward must have been your great-grandfather, Dee. You're probably right. Henry and Thomas... If they were brothers and they were Lawrence's grandchildren... Dee? You all right? Henry, enough already. What are you trying to say, Thomas? I just remembered something. Back then, Uncle Henry called my father Thomas. Thomas? Your father's name is Thomas! Dee, that's great! You remembered your dad! Franny's father is Henry. Dee's father is Thomas. And Henry and Thomas were brothers. They died on this island in the same year. I wonder what happened. Dee looks so upset. He's probably wondering the same thing. Ok, donc on en a appris un peu plus sur cette famille des Edouard. Donc on a de nouveaux trucs. Donc là on a Dee. Où son père est Thomas. Le père de Thomas était décédé quand il était petit.
Ce dernier a grandi au manoir avec Henry. Grâce au journal de Wales, Dee s'est rappelé que Thomas était son père. Cela dit, je n'ai pas l'impression que ce souvenir lui a fait très plaisir. Dans son journal, Wales décrivait Thomas comme doux et sincère. Je suppose que c'est vrai quand il était enfant. Plus tard, alors qu'il ne vivait plus au manoir, son grand-père est tombé malade et il est venu lui rendre visite avec Dee. Il faut croire que son bon cœur ne l'avait pas quitté. Ok. Et donc, Henry, qui a fait comme enfant Franny, donc ils sont pas amis, ils sont cousins. Et donc Henry. Le père d'Henry étant décédé quand il était petit, ce dernier a grandi au manoir avec Thomas. Dans son journal, Wales a écrit qu'Henry était fort et sage. En plus d'être un artiste super talentueux, Franny devait être fier de l'avoir pour père. Et donc, le fameux Léonard, qui a fait les deux enfants, Henry et Thomas. Le père de Thomas et Henry Wales a décrit dans son journal que Léonard est décédé d'une maladie. Il devait terriblement souffrir à l'idée que ses enfants allaient se retrouver orphelins si jeunes. Wales a aussi mentionné qu'il l'avait enfin retrouvé, donc je suppose que Léonard avait quitté l'île à une époque sans dire à personne où il se rendait. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec Léonard, mais de toute évidence, Lorenz a accueilli ses fils et les a élevés correctement. Tant mieux. Ouais, c'est ça. Donc lui, il est mort, il a laissé ses enfants à son père, donc Henry et Thomas. C'est leur grand-père. Lorenz, c'est le grand-père d'Henri et Thomas qui les a élevés. Et ensuite, voilà. Mais donc, maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est le lien entre Richard et tout. Qu'est-ce qu'il fout sur ce truc, sur cette île, alors qu'il n'a aucun lien de parenté avec la famille des Édouards, d'après ce petit arbre généalogique qu'on a là. Ensuite, on avait des clés. Une clé avec un motif de fleur, elle se trouvait dans le coffre de la maison de majordome, les pétales sont super détaillés, c'est impressionnant. Et une clé du trèfle à trois feuilles. Une clé dorée décorée d'un simple trèfle à trois feuilles, je l'ai trouvée dans le coffre-fort de la chambre du majordome. Je pense que ça, c'est des clés qui vont en haut. Hop. Hey. Utilisons la clé qu'on a trouvée dans le coffre pour entrer dans la chambre de Franny. Bien dit, sa chambre est au premier étage, c'est ça? Pourquoi c'est pas doublé là? C'est bizarre, il y a des trucs, il y a des moments où c'est doublé, il y a d'autres moments où c'est pas doublé. Faut savoir. Faut se mettre d'accord le jeu. Ouais, rentrons dans la chambre de Franny. C'est vrai que j'ai l'air bourré quand je marche. La chambre de Franny, c'est celle-là si je me rappelle bien. Un homme tenant une fleur dans son bec orne la porte. Ah oui, il faut utiliser la clé. C'est vrai qu'il faut faire hop, utiliser, donc celle 2 avec une fleur, tac, utiliser. Yes, it opened. Yeah, je suis trop fort. Now we can look in Franny's room. Tu vois, du premier coup, j'ai trouvé la clé du premier coup. Maybe you'll remember something else, Dee. Yes. Allez, chambre de Franny, let's go. This is it, Ashley. This is Franny's room. This is where we play together. Ok, on est dans la chambre de Franny. On va l'explorer. Boîte de jeu. La boîte est remplie de blocs de construction. Trop bien, on va faire de la construction. Huh. Il y a toutes sortes de formes là-dedans. C'était à Franny? Huh. Il y a quelque chose sous les blocs, non? Ah. Ah, ah, ah. Trouver un truc? Tac. On enlève les blocs de construction. Poupée en bois. Une poupée installée dans une boîte de jeu en construction. De construction. What's with this doll? En plus, il manque un bras. Really? Yeah, I guess it broke off. Dee, look at this doll. I just remembered something. What is it? Franny made this doll. Wow, she made this herself?
pretty impressive. The missing piece must be around here somewhere. I don't think this doll is broken. I think it's supposed to be missing its right arm. This is a doll of Franny's father. And? And Franny's father was missing his right arm. Really? Poupée sans bras droit reçu. Voilà, donc ça représente le père de Franny. Une poupée moustachue à laquelle il manque le bras droit. Apparemment, c'est Franny qui l'a fabriquée toute seule avec son père pour modèle. Table basse. J'avais une table basse comme celle-ci quand j'étais petite. Ok, on est content de le savoir. C'était génial pour dessiner ou jouer à la dinette. Fête du merge de la poupée. Tu veux aussi cet ours en peluche, c'est ça? Oh man, what a cute teddy bear. That was Franny's favorite. These vintage bears are cool. I actually love teddy bears. Suddenly I remember that night. The one from my dreams. That night, on the table, there was a cake with candles and a bear with a red ribbon. Here you go, Ashley. This is a present from Daddy. Yeah, that's what Mom said. But Dad wasn't there. Where was he that night? Ashley? I... What's wrong? Dee, I remembered something too. When I saw the bear, my mom... Your mother? Yeah. I barely remember anything about her. But sometimes I have this dream. I feel like it ends in the middle, though. Like there's more to it. Huh. That reminds me of something Jessica said. She told me that if I meet my dad, I'll also learn about my mom. Is that why you came here to see him? Maybe. Oui, mais pas cette oursa, voilà, je veux celui. Ah, tu veux celui du rêve. Enfin, du rêve de là, du souvenir. Super. Après, tu peux toujours essayer d'envoyer un message au développeur sur Twitter, je sais pas. L'armoire est vide, il n'y a plus aucun vêtement de Franny. Oh. Je vais devoir m'en aller. On m'attend ailleurs. Ah mince, bon bah, bon après-midi, Pika. Et peut-être à demain. C'était son sofa préféré. Il y a des blocs et des livres dessus. Ok. Oh, les poignées sont adorables. J'avoue, il y aura un seul acheteur. Let's go. Une mignonne petite commode, elle est vide. Super. Un lit d'enfant, il semble très ancien. The blanket's color is faded. Avec le temps, la couleur de la couverture est délavée. A little girl used to sleep here a long time ago. Hey, Dee. What was Franny like? Well, I guess she was mostly sweet, but she could be a little sassy. She was real easy to make laugh. But real easy to make cry too. And she was incredibly lonely. Oh. Voilà, donc elle était seule, Franny, merde. Enfin mince. Bibliothèque. Livre. Je me demande s'il y a quelque chose derrière. Il n'y a rien derrière le livre. Oh, j'y ai cru. Je me demande s'il y a quelque chose derrière. Oh, il n'y a rien derrière. Je me demande s'il y a quelque chose derrière. Oh.
mais il n'y a rien derrière le livre. Mmh. Je me demande s'il y a quelque chose derrière. Oh, il y a le QR code. Il y a la Wyatt Family, il y a la Wyatt Six qui arrive. Compartiment supérieur. Hey Dee, take a look at this doll. It's Franny's. She made it to look like herself. So this one is supposed to be Franny. Yes. What's wrong? Is something bothering you? I remember something Franny said. Dee, these dolls have to be nice to each other. If they get along, then... Then what? Sorry. That's all I remember. The dolls need to get along? What does that mean? Petite énigme encore. Poupée. On peut la récupérer. Poupée de Franny. C'est quoi, je la récupère. Et on sort d'ici. Et on ressort encore d'ici. La dernière poupée n'est pas là. Elle est peut-être dans une autre pièce. Mais oui, on va chercher dans une autre pièce, t'inquiète. Une poupée de la petite fille créée par Franny. Apparemment, elle a voulu se représenter elle-même. La robe rose est toute mignonne. Mais avant, on va utiliser aussi le QR code. Quel message la Wyatt Family veut nous envoyer? La peluche de la mélancolie. Vas-y, on va lire. Allez. Hop. Note. Vivre dans ce manoir, c'est un peu comme vivre hors du temps. Les pièces sont restées d'époque et à force de vivre dans un tel décor, j'ai fini par développer un intérêt pour l'immeuble ancien. Lorsque je complote un décor, Lorsque je contemple un décor aussi riche, lorsque je touche les matériaux précieux utilisés à leur élaboration et ayant passé l'épreuve du temps, je crois que je partage un peu la grâce et la noblesse de la vie d'antan des Édouards. Parfois, je me promène d'une pièce à l'autre uniquement pour admirer les meubles. Je deviens véritablement un passionné. Cependant, je peux m'empêcher d'avoir un pincement de cœur dans la chambre d'enfant à l'étage de l'aile occidentale lorsque j'aperçois l'or champelus poussiéreux sur le petit bureau. Je pense immédiatement à Ashley, que j'ai abandonné et confié à sa tante il y a déjà 11 ans. Oh Ashley, comme j'aimerais te revoir. J'imagine que tu ne me reconnaîtras même pas. Tu avais à peine 3 ans la dernière fois. Je veux terminer la Nozer et voir ensuite comment tu as grandi de mes propres yeux. J'ai l'impression d'être coincé dans le passé et tu es la seule... Si tu es la seule qui puisse me tirer de là. Ok. Et donc maintenant qu'on a la carte, on peut voir les endroits où on peut récupérer les prochains QR codes. Voilà. Bon bah allons dans une autre pièce. On va terminer avec Franny. Quelle clé on avait déjà? Je ne me rappelle plus. On a ça, on va utiliser trèfle à 3 feuilles. C'est lequel qui a une trèfle à 3 feuilles? Lui, ah ouais, c'est lui. Vas-y, on va le mettre ici. Parce qu'on peut voir sur la porte qu'il y a une feuille à 3 feuilles. Sur la porte qu'il y a un trèfle à 3 feuilles. Ah bah non. Bah super. Et là-bas? Est-ce qu'il y a une autre porte là-bas, non? Là, c'est que 2 feuilles, ça peut pas rentrer là. Vas-y, on va tester ici. Bah, oh, je me suis encore. Putain, mais j'en ai marre de me tromper de bouton. Ah, c'est pas la bonne clé. Bah, elle va où cette clé? Ces deux clés, enfin, cette clé là, alors. De trèfle à 3 feuilles. Et bah voilà, on est perdu. On va peut-être dans l'autre aile. On va peut-être aller dans l'autre aile.
Mais non, mais je m'en fous de ton appareil photo. On va aller en face. Voir si la clé peut être utilisée ici. Non. Oh désolé. Non, je suis fatigué dans cet autre côté. Est-ce que ça ouvre cette porte? Non. Attends, on va revoir la carte. Putain, mais je l'ai utilisé deux fois. Moi, je vois la carte. Donc, voyons voir la carte. Donc là, c'est ouvert, là, c'est ouvert, là, c'est ouvert, ok. Et là, c'est fermé, je peux pas aller par là, ok. 28-26. Entre les Françaises et les Polonaises. La chambre de Franny est ouverte, les deux chambres à côté sont pas ouvertes. Ah, il y a une porte là, j'avais pas vu qu'il y avait une porte. Peut-être cette porte, allez. On va passer. On va voir. On va voir la porte qui se trouve tout de suite à droite de cette porte. Peut-être que c'est là qu'on peut ouvrir avec la clé de trèfle. C'est tout là-bas et c'est à gauche. Genre là. Hop. Putain, ça peut pas être utilisé ici. Mais pour moi, elle devrait être là-bas. Elle devrait être sur cette porte. Parce qu'on a un truc orné d'un... Il y a un oiseau avec un trèfle à trois feuilles dans le bec de la porte. Sur la porte, putain. Faut que j'apprenne à parler, à lire. Et donc ça marche pas ici, cette clé. Bah, pourquoi tout à l'heure il m'a dit non? Pourquoi tout à l'heure il m'a dit non? Le jeu il a pas voulu le faire non. Tu me passeras pas. Hop, rentrons dans cette nouvelle pièce. Does this spark any memories? This is... Yes, Ashley. I remember something. This room belonged to Franny's parents. Ok, chambre, on est dans la chambre des parents de Franny, c'est ça alors? Ouais, il y a un petit bouteille de verre, bouteille verte. Tous les verres et les bouteilles sont couverts de poussière. Je me demande si les boissons sont encore buvables. Si c'est du vin, ouais, ça peut être buvable encore. Parce qu'en vrai, le vin, ça se garde. Lunettes. Il y a une lettre ouverte à côté du livre sur la table. Il y avait écrit lunettes, il y avait vraiment écrit lunettes. Hey. La lettre est froissée, son contenu a dû contrarier la personne qui l'a lue. Bah vas-y, yeah. Déjà. Je n'aurais pas voulu être à la place de cette lettre. Ah bah, qui voulait être à la place d'une lettre comme ça à se faire froisser? Voyons ce que ça dit. Vous êtes parti et vous m'avez mis beaucoup de gens en rogne. Les ouvriers ne comprennent pas et moi non plus. Nous avons sué sang et eau pour la mine Lawrence, jour et nuit, et pour quelle récompense? Un licenciement massif, tout le monde se fait éjecter de l'île. L'ancien directeur aurait au moins essayé de trouver une solution avec nous, comme il le faisait toujours. Mais là, d'un blanc bec débarque et fiche tout le monde à la porte en brandissant une simple feuille de papier. Nous demandons une réunion avec le nouveau directeur. Nous méritons au moins une explication. Robert Martin, délégué du personnel. Ok, c'est une lettre par rapport à un chantier. C'est une lettre des gens qui travaillent à la mine. Voilà, qui travaillent à la mine. Ceci dit, c'est qui ce nouveau directeur? Je n'en ai aucune idée. Ok, on a trouvé cette lettre, c'est très cool. Hop, la télé. This is... Cette télé est super vieille, j'en ai jamais vu de comme ça. Super. Que tu veux le savoir, Ashley. On peut vraiment t'asseoir dans un grand fauteuil devant la cheminée comme dans les films. Et ouais. Il faut avoir la cheminée et le fauteuil. Le tisonnier de la cheminée traînait par terre. Qui a oublié de le ranger? Oh oh. Ça, ça a coup à faire un accident. Thank you.
Je regarde un peu ce qu'il y a. Si j'ai rien oublié, j'ai l'air d'avoir rien oublié donc. On va voir les lits. Il est énorme ce lit, il y a largement la place pour deux adultes. Waouh! Vous avez compris, deux adultes. Le lit est con et parfaitement fait, mais il est clairement pas utilisé depuis longtemps. Mais louez votre truc sur Airbnb, au moins ça ferait de l'argent. Il y a beaucoup de livres ici, mais ils ont tous l'air compliqués et ennuyeux. Aïe 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 aïe. Quelqu'un avait commencé ce livre, je me demande depuis combien de temps il traîne là. Ah, depuis longtemps. On dirait que cet endroit est resté figé dans le temps. On dirait que je fais du urbex. Avec une grande cruche comme ça, pas besoin de la remplir aussi souvent. Ah, tu sais, il faut lire au moins 2 litres d'eau dans la vie, dans la journée, donc ça peut vite se remplir. Enfin, tout dépend après des œuvres que tu nous fais. Dis qu'on a... La coiffeuse. Il y a une coiffeuse. Une coiffeuse surmontée de 3 miroirs. Oh, il y a des tiroirs, il y a une tiroir fermée. Et ce tiroir, on peut rien faire. Et celui-là non plus. Et là, il y a un tiroir, mais ça a l'air d'être fermé. Ah non, c'est ouvert. Oh, une nouvelle poupée. Poupée de femme. Il y a une poupée dans le tiroir. Regardez, cette poupée doit être... Oui, c'est Franny qui l'a fabriquée. Elle représente sûrement sa mère. Reçu poupée de femme. Et il y a même une lettre avec. Donc on va lire la lettre. Cher Henri, ceci est ma lettre d'adieu. Après avoir perdu ton grand-père adoré ainsi que d'autres êtres chers de ton cœur en si peu de temps, il ne fait aucun doute que tu es consumé par le chagrin. Je croyais que Franny et moi nous parviendrons à guérir ton cœur affligé. Mais depuis que tu t'es retiré dans la chambre de l'oiseau d'argent, tu n'es plus le même. Je t'ai vu jeter la clé de la pousse dans la fontaine. Jour et nuit, tu te cloîtres dans la chambre à perdre dans l'alcool avec pour seule compagnie tes terreurs invisibles. Tu te sembles avoir perdu l'envie de vivre. Tu n'as pas tenu de pinceau depuis longtemps, si longtemps que même Franny s'en inquiète. Et tu t'obstines à refuser de sortir de cette chambre. L'homme que j'aimais a disparu. Franny et moi n'avons encore d'autre choix que de quitter l'île. Je n'oublierai jamais l'amour profond que j'ai éprouvé pour toi. Adieu, Marie. Ah, Marie a quitté son homme. Who's Marie? Franny's mama. Oh. Why do you look so sad? Well, this is a goodbye letter. I don't know what happened between her mom and dad, but... I'm sure Franny wanted them all to stay together. That's why I'm sad. Ashley.
Yeah. And in here we have a key. I wonder which room this key is for. Putain, je sais pas depuis combien de temps le micro il est désactivé, mais le micro était désactivé, super. Donc ça va, les conneries que j'ai dit, on les a pas entendues. Oh, le tableau il est en train de se casser la gueule. Not here either. Where could you be, Jessica? Jessica, où est-ce qu'elle est? On la retrouve toujours pas. Putain, la chaleur, elle est en train de me tuer, la chaleur. Oh putain. Il a l'air super douillet ce sofa. Mais ça n'a pas l'air pratique de regarder la télé d'ici. Après, elle est où la télé? Est-ce qu'il y a une télé au moins? Bon, ça va, une vieille télé. Table. Huh. Cette table en marbre a dû coûter une blinde. Elle est plutôt froide au toucher. Bah, c'est du marbre, c'est normal. It's a hummingbird. C'est un colibri. It's crooked. This bothers me to no end. This is sheet music, isn't it?
Why was it hidden behind a painting? The painting is of this bird. Did you know there's a puzzle hidden in this sheet music? If you solve the puzzle and play the music, you'll get to see the piano's secret. I just remembered something. This is the sheet music Franny played on the piano. Oh, really? I wonder if I'd be able to play it. You can play? Yeah, I practice on a school piano once in a while. Will you try playing this song? I'll give it a shot. Maybe it'll help jog some more memories. Franny told me there's a puzzle hidden in this sheet music. I wonder what it could be. Allez, j'ai reçu une partition. Ok, bon, c'est une bonne chose déjà. Cette fois-ci, j'ai pas oublié de remettre le micro en marche. La partition d'une chanson que D aimait. Je l'ai trouvée dans la chambre de l'oiseau d'or, mais il semble manquer quelque chose. On se demande quoi. Il y a une télé ici. Comment on fait pour l'allumer? Il y a une télécommande? Bah non, pas à cette époque. C'est que c'était pas une télécommande à cette époque, tu sais, ma petite. Je regarde un peu les résultats des trucs. Il y a un Français qui s'est qualifié en finale de BMX. C'est très cool. Ok, bon, je vais remettre le truc, hop. Donc télévision, sert à rien. L'alcool, on peut pas voir. Plume. Waouh, une plume. J'ai toujours voulu essayer d'écrire avec ça. Bah vas-y, tu peux essayer, non? Darn it. Bah, impossible d'écrire avec. L'encre a séché et la plume est toute raide. Aïe, 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 bah si la plume elle est raide, bah la plume elle est raide, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oh non, la plume elle est raide. Est-ce qu'on peut pas voir les tiroirs? Non. On peut pas. Table élégante. Oh jolie la table. Elle est même pas abîmée depuis tout ce temps. Ah, il faut aussi trouver le QR code dans cette pièce. Quelqu'un a laissé un livre ouvert ici. Cette personne cherchait une info. Tu veux pas regarder le livre ouvert, non? Waouh, il y en a des livres sur ces étagères. Combien de temps il faudrait pour lire tout ça? Bah toute une vie. Ah oui, c'est vrai qu'on a chambre d'Henri, chambre de l'oiseau d'or. Ok. Ouais, y'a rien, plus rien à faire. Ah, que la bibliothèque, elle est putain de grande. Oh. C'est un tableau de Franny? Elle ressemble beaucoup à l'esquisse dont tu allais dans l'atelier d'art. Ça fait bizarre de se dire que D était ami avec elle il y a hyper longtemps. Mais ils sont pas amis, ils sont cousins. Cousine. Arrêtez. Et donc ça a changé la photo, ça a mis à jour la photo de Franny. Voilà, merde. Ah, du judo, il y a du judo. Cruche. Cette cruche est dégueu, la poussière a dû s'accumuler dessus pendant des années. Bah tu la laves un petit peu et puis paf, c'est revenu à la normale. Il n'y a rien de plus dans cette armoire, ok. Il y a plein d'alcool du monde entier. Ok. Des boissons près du lit, c'était avec ça qui s'éclairait. Des bougeoirs près du lit, c'est avec ça qui s'éclairait. J'aurais trop la trouille d'avoir un truc qui brûle près de mon lit. Bah c'était à l'époque. Ah, j'ai trouvé le QR code. Il est assez poussiéreux en fait, mais c'est bon et c'est logique. Regardez le QR code, il est là.
Hop, ça scanne. Colibri scanné. Ok, bah vas-y, allons-y. Voyons voir ce que ça dit. Les heurtoirs, la vaisselle, les tableaux, les sculptures de la fontaine. J'ai remarqué que dans ce manoir, le colibri est représenté partout. Leur omniprésence indique que Lorraine s'est prouvé un attachement particulier pour ces oiseaux. Ah, c'est Clarisse Abdenou qui joue, enfin qui combat. C'est en demi-finale. Le colibri peut représenter l'amour et l'apaisement. C'est apparemment un motif fréquent utilisé par les cultures amérindiennes. Peut-être qu'en utilisant ce symbole partout dans sa demeure, Lorraine espérait conjurer sa solitude. Cela me rappelle une chose que Sayoko m'avait dit un jour. Au Japon, les grues sont symboles de chance. Les motifs représentant cet oiseau sont donc très populaires. Les grues sont, en origami en particulier, sont très souvent utilisées pour faire des vœux ainsi que pour souhaiter un bon rétablissement. Certains n'hésiteront pas à les fabriquer par centaines. Alors peut-être Lorraine avait-il créé toutes ces décorations de colibri dans l'espoir d'apporter la paix dans son existence. Sayoko m'avait appris à fabriquer des grues en papier. Je pourrais peut-être en faire quelques-unes, les placer ça et là dans le manoir et souhaiter que les morts puissent reposer en paix. Bah vas-y, il est en train de le faire actuellement, c'est ce qu'il est en train de faire, je pense. Ok. Donc là, on va faire un truc. On va prendre la peinture du colibri en photo. Parce que. Dommage qu'on peut pas zoomer. Ah bon, on prend une petite photo tranquillement. Tac. On pourra zoomer après si je me rappelle bien. Est-ce qu'on va faire du piano? Maintenant, on va au truc du piano. On va dans la salle du piano. Hop. Hop. J'aime bien traîner, j'aime bien me frotter contre les murs. Salon de réception. Non, je veux y aller. Je crois que j'y étais passé, mais pas du tout. Allez, c'est parti. Entre la Slovaque et la Française. A gagné son dernier match en 40 secondes. Voilà. Le piano. Tac. Partition. Je pense déjà faut mettre les partitions. Ça ne peut pas être utilisé ici. Ah, quoi? Ah, mais d'accord. Oui, bah oui. Un vieux piano à queue. Le. Pupitre. Un pupitre. Hop. La portée est bizarre ici, c'est vide, il n'y a ni note ni silence. Oh. Ah oui, ce n'est pas le cas ailleurs. Donc maintenant qu'on a la partition. Au clavier, au piano, non? Ah, j'ai le crack. You can do it. C'est ton mieux, tout va bien se passer. Ok, c'est parti. Mais comment je sais quelle note et quelle note? Ah, ok, X. Sorry. Désolé, j'ai dû m'enlever les doigts. Alors, X. B. A. Je me suis trompé sur le dernier. J'ai appuyé sur X au lieu de B. Après, il m'en manque une, mais je sais ce qu'il faut faire, je pense. Il faut prendre la photo. Mais il faut réussir à mettre un papier. Parce que regardez, j'ai pris la photo de ça. Là, on peut zoomer, non? On peut même pas zoomer, toujours pas. Il n'y avait pas un papier quelque part? Attends, on va refaire, on va rejouer. En espérant que cette fois-ci, je les fasse mieux. Sorry. Mais quoi, j'ai appuyé sur B? Mais Ashley, j'ai appuyé sur B, X, B,
Ah. Il manquait quelque chose dans ta version du morceau comparé à celle de Franny. Il manquait quelque chose, c'est peut-être l'accompagnement. Et peut-être qu'il manque aussi des notes sur la portée du bas. Ah oui, je sais où elles sont les notes de la portée du bas. Bah, deux cartons jaunes pour... un carton jaune pour chaque fille. Le problème, c'est qu'il faut que j'arrive à faire en sorte... Si Pravé me manque un, que je lui dise, mais ah, pourquoi tu m'as ouvert l'album? C'est dans sa duo, c'est ça le piano, ouais. Porte. Oh, la française est pas bien. Oh là là, c'était chaud. Donc truc manquant, et il est là. Sur le mur, un tableau représentant un colibri. Ah, ok. Cette peinture d'oiseau, c'est la même que sur la partition. Ça signifie quelque chose. Bah oui, c'est que le fin est là. What's this? On dirait une partition. Qu'est-ce qu'elle fait ici? La partition est dessinée en haut du tableau, mais oui, j'ai compris. Oh, il est en train de perdre la française. Elle est tombée sur le côté. Oh non, elle va se faire éliminer. La française se fait éliminer. Mais comment faire? Ah, je peux pas essayer de faire un... Non, je sais quoi faire. Ah, je peux pas récupérer d'objets. Bon bah, la française a perdu. Y a pas du papier? Lampe de bureau. L'abat-jour est défraîchi et le pied craquera. Je me demande quelle était l'origine de sa couleur d'origine. Je suis perdu. Allez, il faut la médaille de bronze, Clarisse, c'est pas grave. Je suis perdu. Il n'y avait pas du papier quelque part dans une chambre? Non, ça, on est déjà allé. Je vais refaire un peu les chambres pour voir s'il n'y a pas du papier ou un truc pour écrire, quoi. Table basse, boîte de jeu. C'est parce que je vais laisser la partition. Ah, le premier blocage, le jeu, je l'ai fait en plus, mais j'ai l'impression de ne pas l'avoir fait. Après, je l'ai fait en début d'année, donc j'ai un peu oublié. Est-ce que je peux récupérer la partition que j'ai laissée sur le truc? Que j'ai laissé sur le piano. Très bonne question.
me demande pourquoi l'oiseau de la chambre de et de l'oiseau d'or est dessiné ici. Ok, hop. Huh. Hey. Il y avait des annotations musicales sur l'image, non? Maybe. Peut-être que ça va avec l'image de l'oiseau. Fallait prendre en photo la partition. Mais pourquoi ça? Pourquoi des moments la carte elle s'affiche alors que je veux pas? Fallait prendre la partition en photo. Et là, on va remonter sur l'endroit où il y a la, où il y avait la partition sur le. Sur le truc, c'est-à-dire ici. Hop. Est-ce que je peux utiliser genre ça? Superposer, on peut superposer Y. Mais je peux pas superposer. Parce que, à part l'album, on va reprendre une photo. Parce que l'autre, elle était un peu moche. Ça allait quand même mieux, on est d'accord. Donc maintenant, si je fais appareil photo. Non, album. Hop. Ah, je me trompe de bouton, c'est n'importe quoi. J'en ai marre des X et des Y qui sont pas posés au même endroit. Je veux que tu la superposes avec celle-là. Let's go! Ça colle parfaitement, je n'ai plus qu'à transcrire tout ça. Ça colle parfaitement, je n'ai plus qu'à noter tout ça sur la partition. Bah vas-y, t'as noté, non? Ah non, il faut aller en bas, la partition est restée en bas. Je crois qu'il a pris tellement de pénalités là, le roumain sur le canoë-kayak. Mais arrête d'afficher la carte, le jeu il a un problème, il m'affiche toujours la carte. Alors que j'en veux pas. Ah, il y a du beat joué les Français. Alors je vais regarder ça. Il y a 7-5 pour la France contre les Espagnols, beat joué masculin. Et maintenant, on n'a plus qu'à aller me donner tout ça sur la partition. Hop. Oui, oui, un vieux piano à queue, on sait. Je vais essayer de transcrire le morceau. Voilà, let's go. C'est bon, reste plus qu'à le jouer. On a réussi l'énigme. Here we go. Allez, je vais essayer. Here we go. Waouh. Waouh, 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 il y a plusieurs notes à faire. Oh, trop simple. Je vous laisse la petite mélodie.
Huh? Ashley, did you hear that? Sounds like it triggered something. Let's look around. Mais wesh, t'es bigleuse, c'est passé juste à côté de toi, c'est à tes pieds le truc. Boîte. A box fell out of the piano. I wonder what it is. This is un préservatif. On the beach. It's shells. They're kind of pretty. Oh, right. I remember these. Franny found them. These are our treasure. She hid them here. Hmm? What's this card? It looks like a game cartridge. Is this Franny's too? No. I've never seen that. Reçu, petite carte. Ah. What's that noise? It's the DAS. What's it doing? Did it read the card? I've never seen this screen. Is this a map of the mansion? One of the rooms is glowing. What's this another key? I have no idea. Another key. What the? Who are you? I've been waiting for you. Oh là 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 là, j'ai presque envie d'arrêter le live ici, parce qu'on arrive à 2h, on est à 1h46. Il nous demande de sauvegarder, c'est-à-dire nouveau chapitre. Vous savez quoi, on va faire le prochain chapitre dans le prochain live. Et ouais. Voilà. Comme ça, c'est très bien. Bah, il était cool ce chapitre. Chapitre 3, retrouvailles avec papa. Est-ce que c'est qu'on va s'arrêter? Si je peux arrêter, sinon on se fera la cinématique quand même. Ashley, I'm your father. What? What do I do? That's... He's my dad? Ashley? Yeah? Look at you. All grown up. I've been waiting for you to arrive. I don't know what to say. There's so much I've always wished I could tell him. I can't even think straight. My heart feels like it's going to pound out of my chest. I've got a lump in my throat. I can't talk. I don't know what to say. Just seeing you in front of me, it's a little overwhelming. Dad. Ashley.
This is so weird. When he hugs me, I smell cigarettes. This man, he's my dad. I finally met my dad. Dad, where's Jessica? Well, I haven't seen her. How is that possible? Did Jessica let you wander off? No, she told me to stay put. I was being a brat, so she probably wanted to get away from me. I tried to catch up to her, but I couldn't. Then when I got near the mansion, I heard her scream. I found her glasses on the ground by the gate. What? I didn't hear anything. Why didn't you come to the dock to meet us? Well, I was conducting an experiment that took longer than I expected. I'm sorry, Ashley. Okay. I guess it was too important to walk away from, huh? I'm really worried about Jessica. If you haven't seen her either, we have to look for her. Of course I'll help look for Jessica. By the way, did you bring the DAS? Yeah. I have it right here. Good. I'm glad you got it, Ashley. Why did you send it to me? There'll be time to explain it all later. Just hold on to it for now. Okay. Oh, yeah. The DAS made a weird noise earlier. What? The screen is... The system's online. Okay. Two in the West Wing and one in the East. Well, that's odd. One has already been unlocked. Unlocked? Are you talking about this? Oh, Ashley. Well done. Thank you for bringing this to me. Where did you find it? It was in the piano. In the piano? Really? What is this? Why was it in the piano? It's a key that starts a very important device called the Another. But Bill stole it. Bill? Désolé, je t'ai perdu dans le canoë kayak. Big ou Lanother? Vas-y, on parle de Big. Déjà. Who's Bill? A scholar who helped me with my research. He was my assistant and is absolutely brilliant. But he betrayed me. He tried to steal the research we did on this island. Ashley, your mother and I dedicated our lives to our research on Another. But Bill wanted to claim it for himself. That's horrible! I managed to stop him, but he had already hidden the keys from me. The Another needs keys? That's right. There are three keys total. The remaining two should still be somewhere in this mansion. I see. Donc voilà, on apprend un peu plus sur notre père, sur Bill, qu'on avait. C'était un truc qui. C'était le nom qui était écrit sur un des bloc-notes dans la chambre de peinture, enfin dans l'atelier de peinture. Et là on va en prendre un peu plus sur l'Another, let's go. What is the Another? Why are you out here all alone on this island?
you told Jessica to tell me you were dead? Why? Tell me everything. All of it. Another was my and your mother's research project. Once complete, it could heal a great many people. It can heal people? That was the hope, anyway. But we knew there were people who might try to steal it from us. That's why I continued my work here, where no one could find me. I thought I could trust Bill, but it seems I was wrong. And I think Bill may have taken Jessica. What? She's in danger. We need to find her right away. Then let's go find her, right now! It's not so simple. I need to get the another keys in order to protect it. Dad, we... What do we do? Let's split up. You look for Jessica, and I'll look for the another keys. Ashley, I can't let you do that. I'll be okay. I can find them using the DAS. I've already managed to solve all sorts of puzzles around here. Finding a few more keys will be no sweat, even if Bill's hidden them. Okay. If you're sure, I'll leave the keys to you. Just hurry and find Jessica. Don't worry, I'll find her. Hey, Dad? Yes? Once we have all the another keys, and you find Jessica, then we can all go home. Together. Right? Of course. So the sooner you find those keys, the better, right? Uh-huh. Well then, you should take this. Let's go, j'ai reçu la clé W pour chercher les autres clés de l'Anozer. Les deux autres clés manquantes, pendant que notre père va à la recherche de Jessica. Where should I start looking? The DAS shows something on the second floor of the West Wing. You should be able to get in with that key. Thank you, Dad. Now that place is dark, so be careful. I'm sure I'll find Jessica soon. Meet you in the foyer? Deal. Okay, I'm off. Good luck. Il a l'air d'avoir une petite douleur au poignet aussi quand même, parce que sur la fin il s'est touché le poignet. Je sais pas. Ashley? Huh? What? I'm glad you finally got to meet your father. Yeah. You don't seem very happy. Is something wrong? No, I'm happy. But... I don't know. I've got this weird feeling. You probably just need a chance to take it all in. Yeah. Maybe that's it. Dad couldn't see you. That's because he only believes what he can see. Like every other adult. I'm used to not being seen. So, are you going to help your father? Of course. I want to help if I can. So, yeah. I'm gonna find the another keys for him. I see. Will you help me, Dee? I would be happy to. Tu dois chercher l'emplacement de la clé de l'Anozer dans le DAS. Tu peux maintenant voir l'emplacement des clés de l'Anozer dans le DAS YIEX. Utilise cette fonction pour trouver toutes les clés de l'Anozer. Voilà, hop, je fais ça.
Et on a un nouveau truc ouvert qui est clé de Another. Voilà, donc l'autre il est à droite, à gauche. Il y a aussi entre l'étage suivant. Ok. Ok, ok. Attendez, X. Est-ce que j'ai des nouvelles? On va lire quand même les nouveaux trucs. Putain, tout a été update. D. Au fur et à mesure qu'on explore le manoir, D semble se rappeler beaucoup de choses. Il avait un majordome qui prenait soin de lui et une petite fille avec qui il s'entendait bien. Bizarre d'imaginer que tous ces produits y a presque 60 ans. Quand je vois combien D est enthousiaste à chaque nouvelle porte qu'on ouvre, partant joyeusement à la recherche de nouveaux souvenirs, je suis contente qu'il soit venu avec moi. Et puis, sans son aide, je ne serais jamais parvenu aussi loin. Mais surtout, je suis contente si D a été là quand j'ai rencontré mon père. Si j'avais été seul, je crois bien que je me serais enfui. Ah. Les croquis de Franny dans l'atelier d'art avaient l'air super vieux, mais D parle d'elle comme s'il venait juste de se quitter. Pourtant, quand on regarde cet atelier, il est clair que tout a dû se produire il y a très longtemps. C'est incroyable de penser que D et Franny étaient amis il y a plusieurs décennies, et maintenant, lui et moi sommes amis à notre tour. J'étais contente qu'on ait pu réunir les petites poupées que Franny a fabriquées. Elles sont désormais ensemble, comme une petite famille. C'est bien quand les familles peuvent être réunies. Mais arrêtez de dire que c'est des amis alors que c'est des cousins. Henri a grandi dans une merveilleuse famille et est allé devenir art artiste, qui a toujours rêvé d'être, lorsqu'il a perdu son bras droit à la guerre. Il devait être aussi triste de ne plus pouvoir peindre ni même tenir un pinceau. Je suis sûr que grâce au soutien de sa famille et ses propres efforts, il est devenu aussi adroit avec son bras gauche qu'avec son bras droit. Franny vantait souvent son père auprès de D. Malgré tout, Marie a écrit dans sa lettre d'adieu qu'Henri avait changé. Le choc a dû être terrible pour lui quand il a perdu ses proches. C'est sûr. Lawrence a recueilli ses petits-enfants Henri et Thomas après la mort de son fils Leonard. Il semble les avoir bien élevés, si j'en crois le journal de Wales. Il devait être assez bourru, mais peut-être les garçons le voyaient simplement comme leur gentil grand-père. Peut-être. Et donc là, on a la famille Robbins. D rassemble peu à peu ses souvenirs tandis qu'on explore le manoir à la recherche de Jessica. C'est une bonne chose. À ce rythme, je parie qu'il se souviendra bientôt de tous les détails. On sauvera ta mémoire à tout prix, D. À part ça, il y a vraiment des tas de mécanismes étranges dans cette maison, comme les assiettes, les majordomes ou les poupées de Franny. Il faut que Lawrence, le patriarche de cette famille, adorait ses souvenirs. Après que j'ai découvert la boîte à secret de D et Franny grâce à un morceau de piano, un type est apparu de nulle part. C'était papa. Même si je l'avais pas eu depuis 11 ans, même si j'avais un million de choses à lui dire, je suis resté complètement figé. J'avais perdu ma voix. On a réussi à entrer dans la chambre du majordome et l'atelier d'art dans l'aile occidentale en utilisant la clé E qu'on a trouvée dans le salon de réception. Ensuite, grâce à la clé trouvée dans la chambre du majordome, on a pu accéder à celle de Franny à l'étage. Malheureusement, toujours aucun signe de Jessica. Papa a dit qu'il ne l'a pas vue non plus. Je commence à me demander si elle vit vraiment ici. Je suis de plus en plus inquiète. Où es-tu, Jessica? J'espère qu'on la retrouvera. J'ai rencontré papa, il est très grand et m'a serré très fort dans ses bras. Il sent la cigarette et dont je me rappelais pas du tout. C'est peut-être parce que 11 ans, c'est trop long. Mais je me sens bizarre, comme si je n'arrivais pas à réaliser que c'était vraiment la réalité. C'était si soudain. Un instant, tout était normal, et l'instant d'après, j'avais rencontré mon père. J'étais si nerveux que j'ai oublié de lui tout ce que je voulais lui dire. Mais enfin, je l'ai rencontré. J'ai trouvé une photo de moi quand j'étais bébé dans l'atelier d'art, et je crois que la personne qui me tient dans ses bras est ma mère. Tout est clair à présent. C'est elle qui apparaissait toujours dans mes rêves. Son visage est si doux que je ne l'oublierai plus jamais. J'ai gardé la photo. Qui va m'empêcher de prendre la seule photo de ma mère que j'ai pu trouver de toute ma vie? C'est sûr. Personne ne te dira, et qu'est-ce que tu fais? Wells adorait sa vaisselle en argent. Je suis presque prête à parier qu'il a choisi lui-même la plupart des meubles et argenterie du manoir. Et je dois dire qu'il avait du goût. Les lampes et les chandeliers sont tous magnifiques, tout en restant pratiques. Je m'intéresse aux antiquités, alors partout où je regarde ici, mes yeux se régalent à la décoration. Dommage que tout soit resté à l'abandon aussi longtemps. Tout est défraîchi et couvert de poussière. Wells serait écœuré de voir le manoir dans cet état, c'est sûr. Ah, vous savez quoi? Voilà, c'est ici qu'on va s'arrêter. Voilà. On ira ouvrir le prochain truc. Alors, une clé nécessaire pour démarrer l'anosaure que j'ai trouvé dans le piano. Papa le cherche, il y a un drôle de motif dessus. Et ouais, c'est les clés pour faire démarrer l'anosaure qu'on a trouvé. Une clé que papa m'a donnée, elle ornée d'un grand W. Elle ouvre la porte de l'aile occidentale au premier étage. Ah, il faut aller au premier étage, ok. Donc bah voilà, c'est ici qu'on va s'arrêter pour ce deuxième live sur Another Code. Recollection, j'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a plu. Je suis un peu fatigué à cause de la chaleur et tout. C'est compliqué avec cette chaleur de bien liver et tout. J'en suis désolé. Mais on va essayer de garder le rythme. Voilà, demain, on se retrouve demain pour la suite. Voilà. Donc, pour le chapitre 3, retrouvailles avec papa, si je me rappelle bien, il s'appelle comme ça, le chapitre. Et donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Petite sauvegarde. Hop. Parce qu'on a fini, on a fait d'autres trucs en même temps. Voilà, retrouver avec papa, chapitre 3.
Et donc on va aller explorer la nouvelle aile occidentale dans demain à 15h30 jusqu'à 17h30 comme d'habitude. C'était Link, j'espère que ce live vous a plu. Moi je vous souhaite à tous une très bonne fin d'après-midi et une très bonne soirée. Et je vous dis à demain pour la suite d'Another Code Recollection. C'était Link, à plus tout le monde, bye bye.